It's a word basque from Barachoa, qui veut dire une langue de terre et de sable. Ok? Une bande de sable. Sandbar. Ok, sandbar. Alors pour moi, l'art in situ, ça représente un peu un défi. C'est un peu un challenge qu'on se pose en voulant créer des œuvres in situ. C'est vraiment considérer le lieu, le matériau, puis tous les autres matériaux qui constituent le lieu, là, l'histoire, l'environnement. Veut ou veut pas, on peut pas mettre quelque chose quelque part sans que ça interagisse avec son environnement. C'est comme si l'environnement devient partie de la pièce et vice-versa. C'est pour ça que... C'est comme ça que je vois l'Institut. Dans ma pratique, à moi, l'installation in situ est arrivée comme ça, c'est-à-dire qu'on veut laisser une trace qui soit visible à tous, et puis on s'installe carrément dans le paysage. C'est vraiment travailler sur le lieu, en fonction du lieu, en fonction de sa géographie, des éléments qu'il comporte, de son histoire. Ça m'a venu à l'idée de faire un projet qui était un peu inspiré par les nasses à poissons. Ce qui est un nas, c'est un genre de piège fait souvent en osier ou en bois où les poissons ils rentrent dedans puis qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc, je me suis dit, c'est comme approprié pour ce lieu ici parce qu'il y a une grande quantité de barreilles puis de saumon. Puis de... En fait, ici, avant, historiquement, c'était un havre de pêche. J'ai décidé de faire une œuvre plutôt éphémère qui était beaucoup plus proche à la vie puis à la nature, puis que quand les œuvres sont terminées, on peut les laisser là puis ils vont détériorer puis ça va accroître la biodiversité. Pour moi, c'est important de démontrer que on est capable de vivre sans une technologie qui facilite des affaires, mais les choses faites main, on est... En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction de faire quelque chose juste avec la main. Puis j'étudie beaucoup les techniques de construction primitives, qu'on appelle primitives, puis traditionnelles, qui sert beaucoup la branche, puis la terre, puis des choses qu'on trouve vraiment sur place, là. Donc, j'adapte ces méthodes-là à mes... mes structures et mes sculptures, puis mes installations. Mon nom, c'est Francine Laberge, je suis artiste. Je réside à Coin-du-Banc depuis une vingtaine d'années. Dans ma pratique artistique, je travaille beaucoup avec les empreintes, je travaille avec différents matériaux, des techniques mixtes. Je travaille beaucoup avec le plâtre, l'argile, toujours des matières naturelles. Ce qui m'accroche le plus, en fait, la base de ma démarche artistique est vraiment l'empreinte du temps. En fait, tout ce qui a rapport avec le temps, qui a rapport avec les traces qui sont laissées par les éléments ou par l'homme, entre autres, dans la nature et dans l'environnement. Et sur notre chemin, des fois, on trouve des choses vraiment incroyables. En fait, je voulais surtout amener les gens à justement essayer de travailler dans du sable avec des matériaux, des roches, des coquillages, toutes sortes de choses
qui trouvent eux-mêmes dans leur environnement, puis qui peuvent s'amuser à faire des œuvres d'art, en fait, parce que ça, c'est toutes des œuvres d'art. J'ai fait le concept, mais en réalité, c'est tous les gens de passage qui ont réalisé chacune de ces pièces qui sont là. Moi, je m'appelle Margot Mérette. Je vis ici à Barachois, à 2 kilomètres ici. Moi, je me suis inspirée plus des 4 rivières et des instruments matériel de pêche. Je suis tombée sur le roue de médecine amérindienne Micmac. C'est un cercle dans lequel il y a une croix avec, et les rayons sont de chaque couleur des peuples de la terre. Alors là, j'ai plus eu envie de m'enligner là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'origines qui demeurent dans ce coin-ci, beaucoup d'origines ethniques. Pour les Amérindiens, le cercle est important parce que ça réunit la famille, ça réunit tous les peuples, c'est important. C'est pour ça que j'ai proposé de faire des nids pour symboliser tout ça, cette espèce d'union entre les peuples. Et les nids, ben, c'est la représentation du soleil qui est entouré d'algues, mais des algues noires, c'est un peu le petit côté « faites attention parce qu'on est en train de... » De polluer notre terre. J'ai voulu aussi donner l'idée d'un message de paix et en même temps un message écologique. Il y a toujours comme un lien entre la vie qui passe, la vie qu'on vit et qu'est-ce qui se passe dans la société aussi. Il y a toujours comme un petit message à passer là, à ce niveau-là. André Lapointe, Dieppe, Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai décidé de faire un genre de site fossilifère en utilisant les pierres qui sont sur le terrain et en les retournant, créant un motif à répétition dans l'esprit des fractales, l'étude des fractales de Mandelbrot. Alors, je me suis servi des pierres qui sont sur le littoral pour créer un motif qui peut suggérer plusieurs images. Ça peut être le nid, ça peut être la fleur, ça peut être l'insecte, une forme de la nature universelle, quoi. Et j'ai travaillé sur le rythme de la disposition des éléments, comment elle se présente. Alors, ça devient un parcours, parce que pour découvrir l'œuvre, il faut vraiment marcher dedans. On pourrait dire que c'est un anti-monument parce qu'on pourrait passer à côté et ne pas le voir. C'est vraiment quelque chose qui travaille avec le dessous et le dessus. Et ça sort du sol pour se répandre sur le terrain, sur la plage. Et c'est un parcours qu'on peut imaginer qui pourrait se faire à l'infini. Moi, je me nomme Marc Chicoine, je suis originaire de Bellance, village juste à côté d'ici. Je suis parti d'un ancien quai ici qui est vraiment en décrépitude, qui a été abandonné. J'ai fait une construction, j'ai fait une œuvre qui se veut un peu poétique, qui ludique aussi.
J'ai rajouté à chaque bout de ce quai un pied et une tête de lit. Donc, quand on la regarde dans son ensemble, on a tendance à voir un grand lit qui est là. Ce lit-là, pour moi, ça réfère un peu à une espèce de sommeil qui s'est emparé de ma région. C'est des régions qui ont été assez défavorisées économiquement. Puis ici, il y a eu un grand port. Ça a déjà été un lieu de grande activité, un port de pêche, un lieu où est-ce qu'on faisait sécher le poisson pour les compagnies jerseyaises. Ici, on avait au-dessus, c'était vraiment un village de pêche. Puis on avait, moi je m'en rappelle, disons 1954, que j'ai compté jusqu'à 50 et plus de bateaux qui rentraient en après-midi. On avait du poisson, c'était pas croyable. Il y avait du poisson, dans ce temps-là, nos poissons étaient de l'affaire de 10 livres à 45 livres, des gros poissons de morue. Ouais. Ils achetaient tout ici au magasin Robin. C'est Robin qui achetait le poisson. Ça fait qu'il y avait un compte. J'en ai connu plusieurs. Après l'été, ils ont payé leur compte au magasin. Puis il restait presque rien pour l'hiver. Peut-être qu'ils peuvent s'acheter une sac de farine ou quelque chose, tout ça. Ils sont obligés d'aller travailler dans le bois. Ça fait que c'était très difficile. C'est pas croyable qu'une journée que ça a lieu qu'on n'avait plus rien. Et vraiment, c'est vraiment plate, vraiment. Les magasins ont commencé à fermer. Le monde s'en allait. Ils sont obligés de s'en aller en ville. Mais il y avait un temps qu'on était plus gros que Gaspé. Notre village, chez Barachois, était trois fois plus gros que la ville de Gaspé. Puis dans mon lit, j'ai ajouté du sel aussi, qui est un peu l'élément, c'est un élément symbolique pour moi, parce que le sel, il servait à saler le poisson ici, puis c'était vraiment un des fondements des compagnies jerseyaises qui étaient en Gaspésie. Puis je l'ai intégré dans mon quai, parce que ce quai-là, c'est le dernier quai qui reste ici, dans cet endroit. Puis c'est un endroit qui est victime d'érosion. Donc je joue un peu avec une dualité comme ça entre les matériaux. Donc le quai, il s'érode, mais moi, j'y rajoute du sel comme pour essayer d'une façon poétique, le conserver. Mon nom est Élise Dubé, j'habite à Petite-Vallée depuis 2003. Le gabion, c'est ces grilles métalliques-là, ce sont des cubes, des volumes, là, puis on met des pierres là-dedans. Ça sert à retenir les berges contre l'érosion des berges. Puis je me suis dit, on va mettre des objets post-consommation là-dedans pour essayer de retenir d'une manière un peu désespérée, de retenir le rivage contre la mer. J'ai récolté les objets entre Petite-Vallée et Barachois. Cet été, j'étais venue à Barachois, j'ai fait un appel. Il y a des gens cette semaine qui sont venus me porter des objets sur la plage, comme ça, les mains chargées. Et puis, j'ai également fouillé chez le brocanteur Adrien Collin, près d'ici. Le marché aux puces, il se trouve dans la vieille école de Barachois, fermée en 1996, manque d'élèves. Mon nom, c'est Adrien Collin. J'ai un gros marché aux puces à Barachois. Un peu de tout. C'est du recyclage. J'ai une bonne clientèle. Elle peut venir de grandes vallées à Camilton, si on peut dire, pour un peu de tout. Anglais ou français, ça ne dérange pas. Je suis bien bilingue. Je peux vous aider dans des projets. Vous emmenez des idées, puis on regarde... On regarde qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'objets post-consommation qui sont en plastique.
je voulais aller chercher une couleur aussi avec ça. Et, mais aussi le textile, en emmaillant ça partout, je me rendais compte qu'avec le vent, ça vivait, ça bougeait, ça réagissait au lieu. Donc, j'ai poussé ça davantage. Je me suis mise à faire de la maille, de la petite maille tricotée au doigt, comme ça, par les soirs où j'étais ici, là, en résidence. Quand les gens venaient m'apporter des objets, chez certains, je ressentais qu'ils étaient comme heureux. C'est comme si je les soulageais de donner une autre vie à leurs objets. Ils étaient pas, c'est comme si ça leur enlevait un peu de culpabilité. En tout cas, on a encore du chemin pour se défaire de tous nos petits travers, mais bon, on chemine, c'est ça, avec un petit peu d'humour, puis avec de l'ironie, puis de la couleur, puis en essayant de parler aux gens d'une manière illustrée, finalement. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Mon nom est Jean-Yves Vigneault et je viens des Îles-de-la-Madeleine. Je suis parti de l'île de Utopia de Thomas More, qui a écrit au 16e siècle une histoire où décrit une société qui vivrait de façon autarcique sur une île et comme quoi le bonheur absolu ne peut exister que sur une île. Parce que les gens sont donc protégés, il y a une espèce d'île qui les protège de toute influence extérieure. Mais on se rend bien compte assez vite, en lisant Thomas More, que c'était vraiment une utopie dans le sens que ça se retourne facilement sur soi-même. Et pour moi, ce que j'ai voulu aborder, c'est un petit peu cette question en même temps, qui est pas juste sur une île, mais dans des sociétés. Quand une société se referme sur elle-même, ça finit par éclater quelque part par l'intérieur. Alors, c'est un peu ce qui s'est produit avec ce que j'ai fait ici, fait un dessin, une construction d'une île en forme de fer à cheval ou de grand croissant. Une forme un peu difficile à faire tenir. Et c'est une île que j'ai mise ici dans le Barachois, mais en allant un petit peu à l'encontre du courant, qui est très fort dans les marées qui montent, qui descendent. Alors, ce que je dis, bon, c'était une île, il y a des gens qui l'ont vue, il y a des gens qui en ont entendu parler. Mais cette île-là, à un moment donné, avec la pression extérieure, la pression du courant, cette île s'est de plus en plus refermée sur elle-même jusqu'à temps qu'elle éclate. Elle reste fragile. Et est-ce qu'elle va se rétablir à partir de là ou tout simplement, ça va être la disparition de cette idée utopique d'une société sur une île, parce que effectivement on rêve souvent de l'île, l'endroit idéal, l'endroit, mais qui en même temps peut devenir, comme je disais, un piège pour les gens qui s'y retrouvent.
l'expérience ici à Barachois in situ était vraiment intéressante. C'est un lieu extraordinaire pour un site de création parce qu'il y a une variété dans le paysage incroyable. À la côte, il y a la plage, il y a plein d'éléments qui sont là sur le terrain qui sont inspirants. Très contente. Il ne passait pas une journée sans que je me dise « Ah, je suis chanceuse d'être ici, je suis chanceuse ». Bien, pour les gens, pour l'organisation, pour les autres artistes aussi. La communauté ici, la quelques artistes qui sont arrivés, puis tout le brouhaha qu'il y a eu autour, médiatique qu'il y a eu autour de cet événement-là, moi, ça m'a permis de rencontrer des gens ici que sinon, j'aurais jamais rencontré. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment des expériences vraiment intenses pour moi. Presque aussi intenses que la création de l'œuvre, parce que l'œuvre, en quelque part, je la dédie aux gens d'ici un peu. Moi, ça fait partie de mon patrimoine, ce qu'il y a ici. Alors, pour moi, ça a été vraiment une expérience assez, assez exaltante. L'important dans tout cela, c'est l'implication des bénévoles. On a eu des bénévoles extraordinaires, une quinzaine de bénévoles. On a eu une belle équipe pour nous soutenir dans toute la réalisation de la semaine et j'en suis extrêmement reconnaissant. Ouais, c'est ça que je vois pour le futur. Je vois de belles futures ici. Peut-être ça va prendre un 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça va arriver. Ça, c'est certain.